par un temps radieux, nous naviguons vers la mer du Nord. Avec une majesté incomparable, Renaissance glisse littéralement sur les flots. Nous longeons les côtes de Belgique pour arriver à... Nous avons eu droit à une mer du Nord aussi calme que la Méditerranée. Naturellement, nous avons eu droit à l'inévitable exercice d'abandon du navire. Il faut bien dire que nous ressemblons étrangement à des coquilles Saint-Jacques. Nous reprenons la mer du Nord et nous mettons le cap sur la Norvège.
poursuivant notre croisière, nous contournons le sud de la Suède et nous arrivons au large de Stockholm. Nous voici dans l'archipel de Stockholm, où de sympathiques Suédois viennent nous souhaiter la bienvenue. Habiter ce petit cabanon. Le golfe de Finlande. Comme nous allons vers la Russie, Robert le barman nous propose de la vodka. Traversons la Neva et voici le magnifique ermitage qui était autrefois le palais des tsars. L'ermitage.
L'amirauté. L'Arc de Triomphe. Eh oui, les femmes travaillent comme les hommes. Voyageons toute une nuit en wagon-lit en direction de la capitale. Et nous arrivons à... Voici la Moscova et le Kremlin vus de l'extérieur. L'hôtel Ukraina où nous sommes descendus. Apercevez le fameux mausolée de Lénine. Et comme chaque jour, il y a énormément de monde pour le visiter. Thank you.
le célèbre Bolchoï. L'université. Le palais des congrès. Deux jolies moscovites dans le Kremlin. L'avion soviétique nous ramène à oh, les beaux imperméables. Et nous appareillons pour la Finlande. Laveuse de tapis. Nous voyons ici le monument commémoratif du compositeur finlandais Sibelius. Voici la maison des pêcheurs. Renaissance nous propose un arrêt à Visby, petite île suédoise, puis continue sa route vers le Danemark. Nous allons le savoir. Mmh.
Voici le château d'Elseneur, la maison d'Hamlet. C'est si bon sur Renaissance.